Bonjour à tous et bienvenue, je suis Amnégie de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 14. Et oui, je me suis planté à l'épisode précédent, on n'était pas au 12e mais au 13e. Et nous nous retrouvons donc devant au donjon à araignée. Pourquoi? Parce que j'ai compris le bug qu'il y avait avec les mobs spawners. Donc j'ai compris en encodant la vidéo numéro 13, en la regardant, je me suis dit mais c'est évident. En fait, le truc, c'est que comment? Là, vous voyez, actuellement, si je pose la torche dessus, il se passe rien. Très bien, normal. Hop. Maintenant, si j'ai des niveaux d'XP sur moi, donc je vais me les giver, je m'en débarrasse après. Hein. C'est juste pour vous montrer. Allez, on va dire 1000, ça va me donner normalement 5 niveaux, si je dis pas de bêtises. Ah non, 32, bon, voilà. Et là, si je... Donc, je n'ai aucune bouteille d'enchantement sur moi, hein, vous pouvez le voir. Maintenant, si je pose la torche dessus, boum. Voilà, et vous voyez que mes niveaux en bas ont disparu. En fait, ça... En fait, le bug convertit vos niveaux en fioles d'expérience. Alors, ça ne marche qu'apparemment que sur mon serveur, ça ne marche pas en solo. Mais en gros, on peut stocker notre expérience comme ça. Excusez-moi, je suis toujours malade. Donc, écoutez, je sais pas du tout si Bukit va corriger ça. Je ne sais même pas si en fait c'est un paramètre que je n'ai pas vu dans Essential ou dans un autre plugin que j'ai installé. N'empêche que pour le moment c'est comme ça. En gros, quand on a des niveaux, voilà, par exemple là, donc on est d'accord, j'ai 59 fioles actuellement. Là, si je pose une torche, je vais en avoir 64. Alors apparemment, par contre, faut pas être en shift. Voilà, ouais, ok. Alors par contre, quand on est en shift, ça marche pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai gagné 5 fois l'expérience. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. J'ai pas vu si on perdait la torche à chaque fois que... Mais bon, franchement, je pense que... Bon, je repasse en game mode juste pour... Donc les fioles d'expérience, de toute façon, je peux les utiliser étant donné que c'est mes niveaux, de toute façon. Donc la première fois qu'on a fait ça, et j'avais même pas fait attention qu'en fait mes niveaux avaient disparu les deux premières fois. En fait, non, en fait, quand on pose une torche comme ça sur un mode spawner, les fioles sont éjectées, mais en fait ce sont nos propres niveaux qui sont transformés en fioles d'expérience. Donc ça peut être pratique, notamment pour se les échanger entre joueurs. Pour le moment, on va garder le bug exploit, on va s'en servir de ce bug exploit. Je sais pas si dans le futur il sera corrigé. Donc je ne garantis absolument. Oula, il est bien rempli ce coffre. Qu'est-ce qu'on a là? Aisance aquatique, putain, mais j'en ai des tonnes d'aisance aquatique, j'ai pas besoin de ça. Putain, les CD quoi. 4, 4, 4, 4. J'ai 5 fois le 4 là, ça sert à quoi ça? C'est quoi ce coffre? Ouais, en plus c'est rien d'intéressant franchement, je trouve que... Ah, aussi 4 pseudo. Et il est un peu cheaté ce coffre. Bon voilà, je voulais également récupérer, voilà, c'était le... les ressources qu'il y avait ici. Écoutez, donc ce mob spawner là, je vais le garder. Juste pour ça, juste pour qu'on puisse convertir des niveaux en fioles d'expérience. Et je vais même carrément resetter voilà, ici. Ouais, mais j'aime pas, il y a des créatures qui peuvent spawner dans mon dos, je vais me mettre là comme ça. Je vais carrément resetter mon homme. Voilà, simplement. Et comme ça, quand je viendrai ici, en fait, je vais faire des allers-retours entre ici et l'Under Farm. Et je vais simplement faire des gros stockages d'XP, quoi. Parce que je vais en profiter, il n'y a pas de raison. Et puis, les joueurs... je viens de donner l'information aux joueurs, donc les joueurs, ils vont pas se gêner pour faire la même chose que moi. Hein. Ça, je les connais. Ils vont absolument pas te gêner. Donc, putain, les CD quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autant de CD?
Bon, il y a du fer. Bon, ok. Toc, 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 toc. Ok. Bah écoutez, je fais ça en accéléré et puis Attendez, warp under. Si je dis pas de bêtises, c'est tiret et farm. Donc ouais, je vais pas me gêner, je vais faire des stockages de. Je vais faire des gros stockages d'XP quoi. Si vous considérez que c'est cheaté, ben. Bah tant pis, parce que c'est un bug. J'essaierai de voir dans la configuration serveur, voir si. Comment ça viendrait d'une configuration que j'aurais pas vue dans le serveur. Mais je pense pas. À mon avis, ça vient de Bukit. Alors, si vous savez, dites-le dans les commentaires. Si vous savez qu'il y a un paramètre dans Essentials ou dans. Ou peut-être dans Multiverse ou un truc dans le genre, dites-le. Dites-le, faites-le savoir. Et puis voilà. Bon, bah on se retrouve en accéléré pour faire un petit stockage d'XP. Et puis bah à tout à l'heure. Parce que. Ouais, j'ai un peu laissé tomber les accélérés en ce moment. Donc on va faire un petit accéléré intéressant sur le stockage d'XP. A tout à l'heure! Ok, donc comment F-Savard vient de refaire le test. Apparemment, en fait, ce serait une permission qui aurait dans, je sais pas où, dans Bukit ou dans un autre truc, parce que F-Savard a 18 niveaux sur lui et quand il pose une torche, ça ne marche pas. Alors que moi, ça marche parfaitement. J'ai déjà deux stacks de fioles d'expérience. Casse pas le mob spawner hein, surtout, hein, parce que voilà. Et ben j'irai voir dans les permissions de j'irai me renseigner sur internet et je donnerai la permission à tous les joueurs de le faire parce que je pense que c'est super intéressant que ça vaut vraiment le coup de donner ça donc ce sera cadeau si vous mettez une torche sur un mob spawner vous aurez la possibilité en fait de stocker vos niveaux. Donc bah moi je continue parce que voilà parce que YOLO. Mais oui donc c'est pas un bug apparemment ce serait une permission que les admins ont et pas les autres joueurs donc je vais donner cette permission là aux autres joueurs dès que j'aurai trouvé la fameuse permission en question. Quelle est cette fameuse permission? Bah F-Savard, est-ce que tu veux bien faire la recherche pour moi tiens? Oh là, ok, bah je veux bien. Donc Par oui, contre, et est-ce puis que donc c'est F-Savard juste. est bel et bien revenu dans la série donc il n'aura été absent que l'équivalent d'un épisode mais. Pourquoi tu C'est t'as quoi? enlevé les torches? Est-ce que ça marche si tu fais sur les côtés? Attends, là Avant déjà que je là me fasse je déchiqueter la repose une gueule. torche. Je vais voir si ça marche à côté tant je me. Bon c'est j'ai deux stacks sur moi, je supprimerai l'excédent que je me générais. Donc si je mets 100, normalement je vais gagner 5 fioles d'expérience. MDJ devant, ce sera mieux. Il y a de la sous-scène là par contre. Ouais bah attends, laisse-moi, voilà. Ouais, sur les côtés aussi ça marche. Ok. Voilà, bon, ces 5 là. Ces 5 là, je les supprime. Ouais, donc sur les côtés ça marche aussi. Bon, c'est un peu spécial hein, quand même. Hein. Mais bon, voilà, bon.
Tu veux bien faire la recherche pour moi pendant que moi je reprends en accéléré et je continue le stockage d'XP? Ce serait bien en plus, on D'accord. pourra s'échanger des fioles d'expérience en plus comme ça. Ah ouais, bah ouais, en fait ça c'est limite la nouvelle manière de s'échanger de l'XP quoi. Ouais, voilà, ça sera génial. Là j'ai Entre joueurs, ce 19 sera niveaux. génial, quoi. Bon, J'ai et puis 19 à la limite, niveaux. comme ça, bah en fait, l'hôtel à PNJ ne sert plus à rien, quoi, à la limite. Parce que l'objectif, c'était ça, c'était d'avoir des fioles d'expérience. Ouais. Mais bah ouais, en plus on a beaucoup de spawners, j'y pense. J'en ai 3 moi dans mes homes. Ouais, bah moi j'ai celui-là, c'est un nouveau Stronghold, ça, c'est le deuxième Stronghold de mon monde. Il y avait une bibliothèque ici, là, dans la salle où on est, là, et j'ai tout démoli, là, à l'épisode précédent. Ok, bah moi justement dans ton monde, enfin tu vois avec ton seed, j'en ai trouvé un autre de Stronghold. Un troisième? T'as trouvé le troisième Stronghold? Dans ton monde, bah enfin dans ton seed, je pense que c'est le troisième, à moins que celui-là tu as déjà découvert. Bah tu pourras vérifier les coordonnées et puis bah si t'as le troisième Stronghold, oui, bah et s'il y a une bibliothèque dedans, Oui, il y a je une suis preneur. bibliothèque. Une bibliothèque. Bon allez, Attends, j'arrive. je reprends en accéléré, on discute ça encore sur le TS et puis bah les viewers, on se retrouve en accéléré. Oui, petite astuce, quand on est à deux comme ça à farmer, astuce, vous cognez sur le bloc qu'il y a en haut là, plus haut. Oui, pas comme ça quoi, et ça évite à ce que vous vous mettiez des taquets. Donc c'est assez pratique. Enfin voilà, donc en fait vous cognez sur le bloc qu'il y a là quoi. Et donc ça À évite. bientôt pour les astuces du MDJ. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Les astuces de MDJ. Voilà. Bon, eh Donc. ben, à tout de suite. Bien, et ben après ce petit accéléré à Lander Farm, et avant de continuer avec encore un accéléré sur les enchantements ce coup-ci, Delta nous a rejoint.
Et donc, eh Salut. ben, on a enfin trouvé une utilité à ce truc-là, à cette espèce de chien-cheval-là, bizarre, dinosaure, comme dit. Donc, il faudrait peut-être un petit peu modifier le coupon là-bas. Mais... Donc, Delta nous a rejoint et avait l'intention de nous créer une salle de potions. Et on a eu l'idée, en fait, de créer la salle de potions dedans, dans cette fameuse colline-là. Donc, eh ben, Delta, ben, bienvenue déjà dans la série. Et puis. Ouais. Et puis bah bonne chance pour ton travail. Tu peux te servir dans les coffres. Tu suis la série sur YouTube, donc tu connais à peu près l'avancement du truc. Tu sais à peu près où se trouve chaque item. Donc Ouais. bonne chance. Et t'évites de démolir la structure. Je veux dire, tu essaies Ouais, de garder une je suis bien. structure, la structure quand même. Je fais Ouais, non, c'est bon. Ok. Bon J'ai bah juste bonne failli chance. couper du Allez. bois. Ouais, Et nous, merci. chers viewers, nous nous retrouvons pour un petit accéléré avec les. Comment? Avec hop pour utiliser nos bouteilles d'enchantement. Alors j'ai trouvé la fameuse permission qui permet en fait de gagner des items comme ça, enfin de l'expérience comme ça avec les bouteilles. Donc en fait c'est parce que j'avais installé le plugin Craftbook. Sur le serveur, ce qui nous permet notamment d'avoir des World Onshore, donc de garder des chunks chargés. C'est ce qu'il y a dans le néant, je m'en sers pratiquement exclusivement dans le néant, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi ce système-là, donc le système avec les... Lol. Ouais, t'as oublié ton slash. Ouais. Comment, le système avec le mob spawner, donc ça vient de Craftbook, donc c'est une permission de Craftbook, évidemment les ennemis n'avaient par défaut, et donc je viens de la donner au joueur, alors je n'ai pas lancé de reload, donc ça devrait se setter automatiquement d'ici un petit quart d'heure, sinon bah, je lancerai un restart cette nuit de toute façon, et ils auront la permission demain de le faire. Donc de temps en temps vérifier. Je sais que de toute façon il n'y a pas que toi sur le TS, donc voilà. Ouais. Donc vérifier de temps en temps si ce droit fonctionne ou s'il fonctionne pas encore. Et si avant ben, disons avant 10h ce soir il n'est pas bon, bah, je sais que je devrais restart le serveur ce soir. Voilà Est-ce que voilà, ça donc te... de Ouais, quoi? vas-y, finis. Non, j'allais dire, est-ce que ça te dérange des arbres volants? Parce Oui, que... quand Ouais. même, oui. Donc tu fais slash top pour arriver en haut de l'arbre Ouais, et tu ouais. coupes après, mais Ouais. tu... Tiens, qui a ouvert le passage secret ici? Bon. Voilà. Bon, eh ben, cher viewer, encore une fois, à tout de suite pour un dernier accéléré avant de nous quitter, parce que je sais qu'on arrive vers la fin de l'épisode et je n'ai pas envie de refaire un épisode super long comme le précédent qui a duré quand même 40 minutes. Donc voilà, donc un petit accéléré et puis bah je vous dis à bientôt.
Bon, fin de l'accéléré. Comment le coffre. Apparemment, Eve Savard a mis son nez dans le coffre. Comment pour les enchantements. Donc, il faut que je voie comment il a trié les trucs parce que c'est. C'est voilà. Je m'y retrouve pas vraiment. Donc, bah, résultat, je vais arrêter l'épisode ici. Donc, vous avez vu. Oh putain. C'était obligé ça dans le chat, TB. Je sais pas, oui, sûrement. Bon voilà, vous voyez, ça s'amuse bien sur le TS, hein, y a une superbe ambiance. Bon, donc Là. sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Suivez l'actualité du serveur sur mindserve-mdj.fr.nf ainsi que sur mon compte, ainsi que sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. À bientôt pour l'épisode 15 et je vous dis à bientôt. À plus.